Bon ben, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir! Avant de commencer cette cérémonie, je vais appeler le jury Renaud Page. Ouais! Et Jérémy Raverdi. Ouais! Et Yann Darson. Ouais! Oui, donc. Allez, bon, alors. Avant de remettre les 16 navets, nous allons remettre un navet hors catégorie. Car en effet, une création ne pouvait entrer dans aucune catégorie. Mais le jury estimait qu'il fallait la récompenser. Donc, nous avons créé un navet hors catégorie. Donc ce navet, nous le décernons tout de suite, est attribué à Julien Page et Christophe Paturet pour Clip the Cure. Wow. Voilà. Je suis très content d'avoir gagné le premier navet. C'est aussi le premier de ma vie. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bien maintenant, nous allons continuer notre cérémonie. Alors maintenant, les nominations pour le navet de la cascade, qui sont Christophe Paturet et Julien Page pour Meurtre à domicile 1986. Christophe Paturet et Julien Page pour Mission Danger Décerner le navet des cascades, j'appelle Julien Page. Il a bien grand. C'est lui qui gagne. Merci. Je l'ai fait l'ordre. Le navet des... Ah oui. Le navet des cascades est attribué à Christophe Paturet et Julien Page pour Mission Danger. Encore merci. De rien. Maintenant, les nominations pour le navet des décors qui sont Christophe Paturet et Julien Page pour le QG du FBI dans Mission Danger 1986. Renaud Page pour le paysage montagneux dans Les Extraterrestres 1988. Renaud Page à l'intérieur d'un vaisseau dans la pierre d'Ixtroïde 1989.
décerner le navet des décors, j'appelle Jean Burguet. Le navet des corps est attribué à Renaud Page pour les extraterrestres. Un discours. Eh bien, je suis très content d'avoir le navet des décors et j'espère que j'aurai encore beaucoup d'autres navets. Merci. Maintenant, les nominations pour le navet de la continuité qui sont... Alors... Renaud Page, Laurence Travato, Philippe Quincy et Julien Page pour Watson et son patron, 1987. Julien Page, se levant pour soigner Watson, est absent au plan suivant. Ah, Watson, vous êtes fait mal. Attendez, ça doit pas être bien grave. Renaud Page pour les extraterrestres, 1988. Les extraterrestres font sauter la Terre et en décollent seulement après l'avoir faite sauter. Renaud Page et Erwan Hennou pour Creator 2, 1992. Le Creator est en chaussettes, puis à des chaussures. Renaud Page pour Dark War 2 1992, les policiers prennent les armes de John et James qui, après avoir été enfermés, les retrouvent miraculeusement. Pour décerner le navet de la continuité, j'appelle Nicolas Darson. Le navet de la continuité est attribué à Renaud Page pour les extraterrestres. Eh bien, encore merci. J'espère que j'aurai encore beaucoup de navets pendant cette cérémonie. Mais j'espère aussi que les autres en auront, car je ne voudrais pas rafler tous les prix, si je puis dire. merci, voilà. Bravo pour ce navet. Maintenant, les nominations pour le navet des costumes. Envoyez la sauce. Voilà. Qui sont Renaud Page pour les extraterrestres 1988. Ceci est un extraterrestre. Terrifiant. Renaud Page pour le monstre de la garde dans la pierre d'Extroïde 1989. Ah, enfin la
pour décerner le navet de tes costumes, j'appelle alors Nicolas Salas. Ouais. Ah, les voisins qui sont pas contents. Le navet des costumes est attribué à Renaud Page pour la pierre d'Ixtroïde. Eh bien, encore une fois, merci. Bon, c'est le troisième. Je suppose qu'il y en aura d'autres encore. Bon, eh bien, voilà, je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Sinon, je pourrais le dire peut-être plus tard. Je suis encore nominé d'autres fois. Donc, merci. Maintenant, les nominations pour le navet de des invraisemblances. Alors Christophe Paturé et Julien Page pour Mission d'Angers 1986. Le mot de passe est inscrit sur la porte. Le mot de passe. Julien Page pour Top Secret Maloney 1989. Une des équations du professeur est 1 plus 1 égale 2. Le professeur Maloney, célèbre savant en matière de bionique, se modifie à ses expériences. Pour décerner le navet des invraisemblances, j'appelle Renaud Page. Le navet de l'invraisemblance est attribué à Christophe Paturé et Julien Page pour Mission d'Angers. Bravo! Merci. Oui, voici les nominations pour le navet des trucages. Alors, qui sont Julien Page et Renaud Page pour le vol plané de la supermoto dans Le Meilleur Agent 1988. Renaud Page pour Les Extraterrestres 1988. Renaud Page pour l'atterrissage d'un vaisseau dans la pierre d'Ixtroïde 1989. On arrive, c'est en bas. C'est le vaisseau. Renaud Page et Arnaud Letissier pour Boy Mall 1990. Page pour un autre atterrissage dans la base d'Iranos, retrouvée en 1991. Ah,
pour décerner le navet des trucages, j'appelle Jacqueline Page. Le navet des trucages est attribué à Julien Page et Renaud Page pour le meilleur agent. Ouais. Bravo. Voilà. Bon, eh bien. Encore nous, voilà. Bon, bah, mon frère veut parler pour nous. C'est son frère, oui. Ouais, alors. Merci. Puis d'abord, je n'aurai plus que lui, voilà. Merci. C'est bien. Bravo. Alors maintenant, nous allons procéder à la nomination pour le navet de la bande-son. Il en reste au moins. Alors, Christophe Paturé et Julien Page pour Meurtre à domicile 1986. Christophe Paturé et Julien Page pour Mission Danger 1986. Renaud Page, Laurence Travato, Philippe Quincy et Julien Page pour le bruit de la moto dans Watson et son patron 1987. Page pour les extraterrestres 1988. Puisque personne n'arrive à les arrêter. Renaud Page et Julien Page pour la pierre d'Ixtroïd 1989. Page pour un autre bruit de moto dans Mission Difficile 1991. Créateur 2, 1992.
pour décerner le navet de la bande son à J'appelle Yann Darson. Alors, le navet de la bande son est attribué à Renaud Page et Julien Page pour la pierre d'Ixtroïde. On va siffler, hein. Et c'est encore eux. Un petit mot. Merci. Je suis très content d'avoir ce navet car la bande son est un navet très intéressant. En effet, dans les films, on ne voit que l'image, mais la bande son est parfois très intéressante et très importante aussi. Donc, c'est pour cette raison que je pense être content d'avoir ce navet avec mon frère en plus. En famille, bon, voilà. Merci. Bravo. Alors, maintenant, les nominations pour le navet du montage. Jean Burguet pour Watson et son patron, 1987. Nicolas Salas pour The Stranger, 1992. Pour l'attribution du navet du montage, j'appelle Daniel Hiverna. Ouais. Du montage est attribué à... C'est sûr. À Renaud Page. Oh, non, Jean Burguet pour Watson et son patron. Félicitations. Félicitations, Jean. Bon. Si, mère, je remercie les Montpages pour le prix des pas de mon de merci. Maintenant les nominations pour le navet des dialogues. C'est Renaud Page encore. Christophe Paturé et Julien Page pour Il suffira d'un signe, 1987. Et un arbre. C'est ici le point critique. Il peut souvent y avoir une femme à son palier. Elle s'appelle Madame Glanul. Bon, récapitulons la fin de l'opération. Il suffira d'un signe un matin. Un matin tout tranquille et serein. Oh, quelque chose d'infime, c'est certain. Ici, juste à cet endroit-là. Renaud Page pour Les Extraterrestres, 1988. Nous sommes les extraterrestres. Nous venons vous chercher. Votre or, évidemment. Car nous en avons besoin sur notre planète. Jamais
Renopage pour la pierre d'Ixtroïde 1989. Voilà, c'est au fond là-bas. Allez, je vous laisse, je vais retourner à mon poste. Ouais, merci. Salut les gars. Heureusement que vous êtes là. Je vais vous expliquer la situation. Ils ont pris la pierre d'Ixtroïde. Celle-ci renferme une puissance de très grande violence. Il faut absolument la récupérer avant qu'ils s'en servent, parce que s'ils s'en servent, ils pourraient détruire des tonnes de galaxies. Donc, il faut absolument leur rendre. Alors, voici mon plan. Renopage pour la base d'Iranos, retrouvée en 1991. Voilà le vaisseau de sortie. Je vais atterrir à côté du vaisseau de sortie. Renopage pour Dark War 1991. Pour l'attribution du navet des dialogues, j'appelle Jérémy Raverdi. Alors, le navet des dialogues est attribué à Christophe Paturet et Julien Page pour Il suffira d'un signe. Bravo! Bravo! Refélicitations. Moi, ça sent grand mieux. Merci. Je voudrais faire hommage à Christophe Paturet qui n'est pas parmi nous ce soir. Oh, ouais. Mais nous pensons tous à lui. Ouais. Et sans doute couperons-nous les navets en deux. Ouais. Merci. Quel bel travail. Voici les nominations pour le navet de la photographie. Renaud Page, Laurence Travasto, Philippe Quincy et Julien Page pour Watson et son patron en 1987. Nicolas Salas pour The Stranger 1992. Attribution du navet de la photographie, j'appelle Jacqueline Page. Le navet de la photographie est attribué à Nicolas Salas. Voilà le navet. Ben, merci, je suis très content d'avoir ce navet. Et je remercie mes collaborateurs, notamment Jérémy Raverdi, qui ce n'aurait pas été possible. Merci. Maintenant, les nominations pour le navet de l'animation. Renopage pour le foot 1988.
tout le monde. Renaud Page et Aymeric Hénou pour PPF 1992. L'attribution du navet de l'animation, j'appelle Julien Page. Le navet de l'animation est attribué à Renaud Page pour le foot. Eh bien, merci pour ce navet. Et je pense que je réussirai à battre mon frère en matière de nombre de navets. Voilà, merci et à tout de suite. Peut-être bientôt regagner. C'est une compétition, hein. Alors maintenant, les nominations pour le navet du figurant. Bon alors, t'enregistres ? Oui. Philippe Quincy pour le meilleur agent 1988. Bertrand pour Top Secret Maloney 1989. Pour l'attribution du navet du figurant, j'appelle Jérémy Raverdi. Le navet du figurant est attribué à Philippe Quincy pour le meilleur agent. Il est pas là. On lui enverra. Il le recevra. Alors, maintenant, les nominations pour le navet de l'émission. Laurence Travato, Yann Darson et Renaud Page pour Le Journal 1988. Ça a été décrété par Jean-Jacques Chirac. Jacques Chirac, la nouvelle facture.
Laurent Stravato et Renaud Page pour Laurent 1988. Donc je pense la Turquie européenne en fera partie. Ah, mes lunettes. C'est pour ça que je les vois bien. Oui. Quels sont les projets pour 1990? Eh bien, les pays de la CE formeront comme un grand pays et il n'y aura plus de frontières. Il y aura aussi une même monnaie qui sera l'écu. Renaud Page et Claire Paturé pour Où y a le choix 1991. Là, à c'est le serpent. Et dès que le super serpent de l'air progresse dans les dominos, en couloche, oh, un fauve là s'est jeté dessus, un fauve sous-marin, c'était effectivement impressionnant. Laurence Travato, Yann Darson et Renaud Page pour Le Journal 2, retrouvé en 1991. Sur ces pancartes, il y avait écrit « Pas de peur ». Nous recevons aujourd'hui le PDG de la lutte contre l'alcool, Nicolas Pépin. Que faisiez-vous dans cette lutte? Nous luttons contre ce fléau qui est une grande cause de mortalité en France. Il faut que le nombre d'alcooliques soit réduit de moitié d'ici 2 ans. Il faut que nous diffusions plus d'émissions sur l'alcool, parce que je trouve déplorable qu'il y ait tant de gens qui boivent de l'alcool. C'est terrible ça. Je trouve ça horrible. Il faut que nous trouvions une solution. En France et partout, il y a de l'alcoolisme. Merci Nicolas Colic. Les recherches pour attribuer le navet de l'émission, j'appelle Nicolas Salas. Ah, ouais. Alors, le navet de l'émission est attribué à Laurence Travato, Yann Darson et Renaud Page pour Le Journal 2. Ouais. Il brûle le navet. Bien, merci. Je crois que nous tenons à dire que si nous avons ce navet, c'est en grande partie grâce à Laurence Travato qui n'est malheureusement pas là avec nous ce soir. Je vais peut-être passer le micro, voilà. Entièrement d'accord avec Renaud, c'est surtout le talent de Laurent qui a permis d'avoir ce navet. Voilà. Et bien maintenant, les nominations pour le navet du second rôle. Jean Burguet pour la Pierre Dixtroyde 1989. Deux ans, nous sommes réunis ensemble pour lutter contre l'empire de Péjor. Et je souhaite que nous nous débarrassions de cet empire. Ouais. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Et j'espère que vous continuerez ainsi. Mais pour l'instant, fêtons joyeusement cet anniversaire. Philippe Quincy pour Cointrouille mène l'enquête, 1990. Thank you.
sol. Qui est-il? Monsieur Charles est mort. Comment? Vous plaisantez, mais non, venez voir. J'ai trouvé Rennes mort dans son lit. Jérémy Raverdi pour The Stranger, 1992. Pour attribuer le navet du second rôle, j'appelle Renaud Page. Ainsi pour Cointreau, il mène l'enquête. Il n'est pas là, on lui enverra. Alors, voici les nominations pour le navet du premier rôle. Christophe Paturé pour Mission Danger 1986. Renaud Page pour les extraterrestres 1988. Il est parti. Pour Top Secret Maloney 1989. Julien Page pour la base d'Iranos, retrouvé en 1991. Mais si je détruis la base d'Iranos, ils vont reconstruire d'autres bases d'Iranos. Il faut donc que j'aille à la mine
après le minerai qui remplace la pierre dictroïde. Je vais donc y aller pour détruire cette mine. Pour attribuer le navet du premier rôle, j'appelle Jacqueline Page. Encore ! Premier rôle. Le navet du premier rôle est attribué à Julien Page pour la base d'Iranos. Ouais ! Bravo. Merci pour ce premier rôle. Félicitations. Les nominations pour le navet du film. Watson et son patron de Julien Page, Renaud Page, Laurence Travato et Philippe Quincy, Les extraterrestres de Renaud Page, 1988. La pierre dextroïde de Renaud Page, 1989. Thank you.
Mission difficile de Renopage 1991. Xtro en mission de Renaud Page et Emmerich Hénou 1991. Pour attribuer le navet des films, j'appelle Jean Burguet. Bonsoir à tous et à toutes.